Et nous, on est. Mais on. Ah non, Vanderboom et Vandermeer. Dale. Et ça, c'est nous. Mais on a encore des symboles là. Bon, on a fait le tour. Et il y avait bien un truc. Il y avait bien un truc là. Et donc, elle était dépressive. Elle était sous Prozac. Et c'est sur cette nouvelle preuve que l'on va s'arrêter pour cette première partie de tournage. Malheureusement, le devant m'appelle. Fin de journée. Et en plus, avec l'appel que j'ai reçu tout à l'heure, je sais que je travaille demain. Bosse un samedi. Non, c'est juste qu'arrive. Bref, allez, sur ce, ben je vous dis je vous dis bah tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Ok, donc on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc. J'étais en train de regarder à nouveau les fiches avec les symboles. Visiblement, c'est pas ça. Par contre, il y a ces trucs-là. Et ce sont des personnages du jeu. Et ces noms me parlaient. Ce sont les noms dans la bibliothèque. Du coup, ici, Highlander Caroline, c'est le dernier livre. Et celui qui suit, Highlander Jacob, c'est celui du milieu. Donc, Highlander Caroline et Jacob. Donc, déjà, on va trouver ça. Et on va regarder les noms de la bibliothèque. On va essayer de se débrouiller avec ça. J'ai vraiment trouvé ça au pif, quoi. C'est. Bon, alors, on a dit Highlander Caroline, c'est le dernier. Highlander Jacob, c'est l'avant-avant-dernier. Ok. Si je regarde Robert Hill, attendez, on va essayer de faire par ordre alphabétique quand même encore. Bah, de toute façon, c'est Hill le suivant par ordre alphabétique. Ouais. Et après, on ira voir dans les V. Et je sais jamais si Van Gogh, c'est dans les G ou dans les V. J'ai jamais su. Hill. Donc, Hill, c'est dans les H. Il c'est dans les H. Hop, on y retourne. Et pareil, là, il y a un truc un peu particulier. Hop. Il Robert Jacob. Et donc lui c'était le premier. Et lui c'est le premier. Ok. Et on va tout de suite regarder Van Gogh, tant qu'on y est. Dans les V. Je sais dans les V. Ah, d'accord. Donc il y a Vanderboom Albius, c'est le deuxième. Donc il c'était le premier. Et Albus c'est le troisième. Ok. Vanderboom Albius. On va déjà placer ces deux-là. On va déjà placer ces deux-là. Donc j'ai dit Robert. Robert Hill. Non. Si c'est ça, Robert Hill c'est le premier, c'est ça. Comme j'ai dit. Et. Oula. Pourquoi ça merde? Alors attendez, je les replace. Robert Hill en premier et A. Vanderboom c'est le troisième. Ok. Bah après, voilà, hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Voilà, ok. C'est bon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le jour glorieux où le lake c'est le lac, hein, on est d'accord, va arriver. Je vais vérifier quand même. Le jour de gloire du lac viendra, d'accord, ok. L'un trouvera la mort, l'autre l'illumination. J'ai donc trois fioles. Ok.
jackpot. J'ai le deuxième œil, ok. Enlightenment. The Chosen One. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'extraction de la mémoire. Le fantôme affamé. J'ignore ce que c'est que ces symboles. Rétablir l'harmonie entre les vies passées. Ah. Et merde. Ok. The past, the present, the future. Ok. The chosen one. Il faudra mettre un truc ici. Ok. Alors, on a le deuxième œil, mais on va d'abord c'est faire ça. Du coup, je vais remplacer le précédent. Peux pas le remplacer. Parce qu'apparemment, c'est pas dans le bon sens, mais bon, c'est pas grave. Par contre, il s'est passé un truc du coup. J'ai un autre éclairage. Attendez. J'ai rallumé la lumière. Je pense qu'il s'est passé un truc avec la lumière. C'est pas ça. Mais on est d'accord que ça a changé de luminosité, ça. Je peux pas les changer. Parce que visiblement, je me suis planté. Mais bon. Bon, ici, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti ici? Non, non plus. Bon, on va mettre le deuxième œil, on va voir. Alors, hop. Ok, j'ai vu les bulles qui sont sorties. Ah non, ça forme quelque chose. Ok. Se disperse un peu plus. Qu'est-ce que c'est? Ça. Est-ce que ça me suit? Oui, ça me suit. Ok. Non. Ok, donc je dois trouver quelque chose qui correspond à ça. Ok, c'était l'horloge. Ça ressemble. Ok. Ça, je pense que c'est le miroir. Non. Je peux plus rien sélectionner, hein. Je suis obligé de trouver à quoi correspondent les choses. Ça ne se déforme plus. Attendez, il y avait un ordre. Du coup, on est d'accord. Il faut que je retienne l'ordre. Du coup, c'était la tête de serre.
Est-ce qu'il y avait autre chose entre la tête de cerf et l'horloge? Je me souviens plus. Ça y était ou pas? Ok. Faudrait que je note. La tête de cerf, l'horloge, la machine à écrire. Maintenant, c'est le. Non, c'était la télé. Évidemment, c'est la porte. Ok, ça je pense que c'est le miroir. Oh, s'il faut retenir, c'est un enfer. Ah, ok. Ok. Que m'arrive-t-il? Je dois mettre de l'ordre dans mes souvenirs. Ouh là là. Ok. Alors pour moi, ça et ça, c'est des cul-de-sac. Comment je dois sortir? Non. Mais y a rien qu'à une entrée vers le bas, à part éventuellement ça. Tu veux pas y aller? Bon. Je me disais, une fois qu'il est dedans, peut-être le déplacer là-dedans après. Le son, il est fort encore, par contre. Allez, tu veux bien te... Non. Ah, d'accord. Ok. D'accord, ça marche comme ça. Ok. D'accord, du coup. Je le ferais plutôt passer comme ça. D'accord. Ah, par contre, j'ai pas de portrait ici, je peux pas revenir. Ok. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Du coup, comme ceci, et là il me faut un portrait. Ah,
fait, à la fin, il faut que ce soit comme ça. La question, c'est comment je passe de l'un à l'autre. Non, il faut que je passe par le haut, donc il faut obligatoirement que j'arrive à un moment donné ici. Ok, je l'ai. Je crois que je l'ai. Ouais, c'est ça. On va essayer comme ça. Puis ce son. Attendez, je suis vraiment baissé pour moi. Je sais pas pour vous si c'est trop fort. Je suis désolé. J'ai coupé la musique à l'instant. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle est beaucoup trop forte. Elle est pas désagréable, hein, mais elle est beaucoup trop forte. Ok, maintenant, je passe comme ça. Et comme ça. C'est ça. Donc ça, c'est bon. Là, je monte. D'accord, là, il y a un mécanisme, mais on s'en fiche un petit peu. Enfin, pour le moment, on s'en fiche un petit peu. Ok, ensuite, faut que je monte, faut que je descende comme ça et comme ça. Ok. Donc là, je redescends. Je peux pas. Comment ça se fait? Je peux pas. Je peux pas descendre. Donc je suis coincé. Ok. Réfléchissement. Donc il y a une histoire de tuyau. Pas évident, hein. Je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas là. Parce qu'après, sinon, c'est ça. Est-ce que parce que cette pièce-là, je l'ai pas encore visitée. Mais de toute façon, je pourrais pas sauter. Enfin, je pense pas. Hein? D'accord. Ok. D'accord, j'ai compris. Non, donc il faut que je reste ici. Faut que je reste ici. Alors, cette pièce-là, elle doit arriver ici. Ensuite, ça arrivera comme ça. Parfait.
Exactement ce qu'il me faut. Bon, ici, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, du coup, c'est bon, va falloir que je repasse comme ça. Ah oui, mais non. C'est pas correct, c'est comme ça. Voilà, et après, il faudra que je remette cette case-là ici. Ok. Voilà. Parfait. Comme ça maintenant, j'ai accès à l'eau et ensuite il va falloir que j'ai accès à... Ah, l'autre case a été où? Celle-là. C'est ça. Ok. Parfait. J'ai mal à la tête, sans déconner. Y a quelque chose là. Morceau de layer. Ah, de flyer, ok, pardon. Morceau de flyer, ok. Je peux pas le récupérer, ça. Non. Vas-y, hein, laisse ton sang comme ça, hein, c'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été modifié? Bon, visiblement rien. Le morceau de flyer. Non. C'est au niveau du téléphone. Il est où le téléphone? Il est là. Non, j'ai dit le téléphone, pas les... Voilà, alors. Ah. Ça... Ah, attendez, 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 attendez. Burn. Ah, burn. Burn. Non.
Learn from... alors, apprenez de vos erreurs. Ne faillez pas, ne faites pas l'erreur encore et encore. Voilà, ne faites deux fois la même erreur. Apprends de tes échecs, ne refais jamais deux fois la même erreur. Et c'est ça. Alors. Pour moi, c'est tout ce qui peut brûler. Hein. Une clé, ça brûle pas. Un poisson, est-ce que ça peut brûler en soi? Pourquoi pas? On peut dire oui. Non? Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un œil. Un œil. Brûle tout ce qui brûle. Ah, j'ai compris. Ok. Le sang va couler. Burn all that live. Brûle ce qui vit. Donc, le poisson, l'insecte, la crevette. Red. Allume la télévision afin qu'elle puisse te trouver à nouveau. Il y a un œuf là. Ouais, bon, c'est bon, on a deviné. Hein. 009, quoi. Ça va pas être compliqué, ça. Alors, brûle ce qui est rouge. La tomate. Oh, ça marque TV. Ah, 900. Ah oui, 910. J'ai rien dit, ok. TV 910. Ok. Allez, ça va être creepy, hein. On connaît. Oh. Ouf. Move my face. Change mon visage. Ok. Ah, d'accord, ok. The other way. Dans l'autre sens. The other way. The other way. The other way. The other way. Ok. Ok.
D'accord, fallait suivre ses yeux. Ok. Bout de robe. Eh ben voilà. Ah, c'est ça. On a toujours pas ouvert le dernier truc de l'armoire. C'est un S. Et on a aussi un code DBAC. DBACS. DBASV. Non. DB S non DB A S C DB A S C On verra. En tout cas, le dernier symbole, c'est un S. Non? Bah, j'ai pas compris là. Attendez, parce que j'avais fait ça, hein. J'avais mis rond, le T. Le carré, le triangle. Ah, j'ai peut-être inversé le carré et le triangle. Carré, triangle, S. Non, c'est ça? Ah, mais non, c'est l'ordre. Oh, bordel. C'est pas le bon ordre. L'ordre c'est le 1 c'est la preuve D. Et la preuve D c'est le triangle. Ok, donc triangle. Ensuite, la deuxième preuve c'est le B, puis ensuite le A. Donc T et rond. Donc le T et le rond. Le 4, c'est le S, on le sait. Et donc la dernière forme, bah, c'est le carré. Et voilà. Logique. Enfin, logique. Faut être dans la tête des mecs quand on crée le jeu, quoi. Alors, magnétophone, résultat. On va pouvoir récupérer l'ancienne cassette. Et mettre la nouvelle. Harvey Song. Ok. Ah. Ah, je suis en train de rebobiner, hein. Ah non, ça tourne à l'infini. Ok, d'accord. D'accord. Ok, on a la fiole rouge. Donc la fiole rouge que je me rappelle de quoi il s'agit, je me souviens que c'était dans ce livre. Bon, en tout cas, je peux pas reprendre ça, donc voilà. Bon, j'ai une fiole rouge.
Bon, on sait ce que ça ouvre. Hein. Ah non. Ben, j'ai rien vu d'autre, à part la... Au nom de Dieu. Ok. Pareil, il y a des pas. Par là aussi, il y a l'oiseau. On va suivre l'oiseau. On va suivre l'oiseau. Ok. Ok, il y a un cerf. Le corbeau, ok. Did you make the right choice? Tu as fait le bon choix. Ok. Ah d'accord, ok. Ok. Donc là... On va aller voir la croix quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va faire gauche. Hop, full droite. Tout droit. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il a l'air de vouloir m'emmener vers ce fond-là. Donc on va y aller rapidement. Donc je fais droite derrière, hein, droite droite derrière derrière gauche. Statue de corbeau. Ok. Donc il faut bel et bien que je suive les instructions. Bon. Est-ce qu'on n'irait pas voir dans ce cul-de-sac là-bas? Avant d'aller voir la croix là-bas. On va faire ça. On va faire ce parcours-là. Donc je fais droite et deux pas en avant. Deux. Je tourne à gauche. Je repasse devant le cerf. Et là, je vais derrière. Je regarde juste ma carte rapidement, mais oui, je suis sur la bonne voie. Hop. Hop. Marche arrière. Marche arrière. À gauche. Et il n'y a rien ici. Mais ça valait le coup de regarder. Zut. Attendez. Est-ce que j'ai pas été voir le... Ce truc-là. On fera un aller là-bas rapidement. Bon, ça va. C'est encore assez rapide à faire. Donc...
On explore, on explore, on prend le temps d'explorer. Faut être sûr qu'on rate rien en fait. C'est tout ça. Donc, full droite, puis je remonte autant que possible. Donc la full droite. Et je remonte autant que possible. Ok. Je suis là, donc deux à gauche, deux devant, deux à droite. Gauche, gauche, devant, devant, droite et droite. Et là, je suis de retour au corbeau. D'accord, ok. Oui, c'était le corbeau. Ok. Là-bas, j'ai été. Donc, on va aller visiter le cul-de-sac qui est là. Donc, deux à gauche, deux derrière, deux à droite. Un derrière, pour le moment. Donc, un, deux. Deux. Un derrière. Alors ensuite, je fais deux à droite, puis full devant et un pas à droite. Donc une, deux, full devant et à droite. Statue de la femme. Ok, d'accord. Donc je fais bien de regarder les différents trucs. Je vais tout en bas, sachant que je vais devoir faire un pas à droite. Donc tout en bas. Un pas à droite et on voit. Oups, excusez-moi pour le micro. Donc, deux à gauche, un en bas, un à gauche. Ok, alors là, il me donne des instructions. C'est pour aller chercher la statue de femme. Donc on s'en fiche, on a déjà été la chercher. Donc droite, tout droit et full à droite jusqu'à arriver ici. Et on fera un pas en avant. En fait, en gros, faut que j'aille toujours à droite avec un pas, avec deux pas en avant à chaque fois. Enfin, un pas en avant ici et full à droite. Ok. Charmant. Ici, y a rien. Alors, deux pas tout droit et un pas à gauche. Ouh là là. Ok, je suis où là? Ok, je suis de retour ici. C'est un peu creepy, hein.
Alors là, je suis fort ennuyé. D'accord, ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, fallait cliquer juste. La tête de cerf, je la récupère pas. Bon, ok, fallait juste. C'était juste du point and click. Je disais. Ah bah là, faut que je fasse le pas à gauche. Y a rien. Bah, faut le tout droit alors. Faut le tout droit, je ferai un pas à droite. Et oui, statue d'homme. Ok. Ok, donc ça c'est pour me dire qu'il y avait la statue d'homme là. Mais vu que j'explore tout de toute façon, voilà. Bah écoutez, il y a un mur là. Ok. Ok. D'accord. Bah écoutez, c'est un sans faute. Je savais pas s'il y avait un ordre, peut-être qu'il n'y en avait pas en fait. Ok. Félicitations, vous avez fini le chapitre 1. Continuez avec le chapitre 2 où on regarde le film et découvre tous les trophées cachés. Moi, j'y ai accès. Bah écoutez. Eh bien écoutez, on va arrêter ce tournage ici et on va arrêter en fait cet épisode ici et on continuera la semaine prochaine avec le prochain chapitre. Je sais pas trop comment vont être découpés les épisodes, mais je vais me débrouiller. Voilà, sur ce, je vous dis bah, à la semaine prochaine s'il n'y a pas de Bill Jurassic.